Yo les gamers, c'est Marco, l'1234, et bienvenue sur la chaîne où règne le gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui annonce une nouvelle série. Donc cette vidéo sera l'épisode pilote d'un concept. Je vais aller un peu plus dans la forêt, ça sera plus beau. Donc concept que j'ai nommé le Tree Live Challenge. Je sais pas si ça existait déjà sur YouTube. En tout cas, je l'avais jamais vu. Je pensais à ça comme ça. Parce que j'étais à la recherche d'une série. Fait que j'ai pensé à ça. En gros, le concept, c'est que au début de la série, je commence avec, bien sûr, 3 vies, ça le dit dans le titre. 3 petites vies. Que je perdrais, bah, quand je meurs, hein, c'est des vies, hein, normalement une vie tu perds ça quand tu meurs. Ensuite, à chaque fois que j'ai un vaisseau, je perds une vie, mais il y a des exceptions. Car si je meurs d'une manière vraiment conne, par exemple en tombant dans la lave, mais vraiment, vraiment con, genre pas je me fais pousser par un zombie dans la lave, mais genre je suis en train de me mener puis je tombe dans la lave. Ça va pas m'enlever une, mais 2 vies. Ouais, si je prends, je crève d'une manière conne, genre tomber dans la lave, mais vraiment, si je tombe, pas si je suis poussé par un zombie, un creeper, n'importe quoi. Il y a aussi, si je meurs d'une chute, je perds 2 vies, parce que c'est vraiment une mort conne. Pis... Ah, c'est ça, en gros, c'est con, hein. Et là, je suis déjà en train d'explorer le monde, en gros, fait que c'est un peu chiant, parce que c'est dans ce monde-là, je crois que je vais le filmer, ou non, peut-être pas, comme ça, je vais après être dans un tout nouveau monde, je sais pas, je vais voir ça, en tout cas, c'est ça, et, mais il y a quelques petits moyens de récupérer des vies, mais récupérer des vies, ça veut dire que je pourrais avoir des extras. Admettons, à l'épisode 3, je pourrais me ramasser avec 10 vies. Je pourrais en avoir perdu autant que je pourrais en avoir gagné. Ces quelques petits moyens sont trouver une émeraude, que ce soit par échange avec les villageois ou en minant. Et l'autre moyen, je sais pas pourquoi j'ai dit quelques petits moyens, parce qu'en vrai, il y en avait que 2. L'autre moyen, c'est grâce à vous, les abonnés. Car oui, vous allez pouvoir décider un peu ce qui arrivera dans cette série. Car avec des pouces bleus ou des pouces rouges, vous pourrez m'ajouter ou m'enlever des vies. C'est ça. Donc, en mettant un pouce bleu, vous me rajoutez une vie. Donc chaque pouce bleu vaut une vie. Chaque pouce rouge enlève une vie. Donc du coup, vous pouvez décider ce qui arrive. Mais pour éviter les gens qui veulent, admettons, qui veulent que la série s'arrête, si jamais il y a assez de pouces rouges pour que la série finisse, donc je n'ai plus de vie, il ne va me rester qu'une seule vie. Et si je perds cette vie, je pourrais faire une chose. Il pourrait y avoir une chose qui pourrait me sauver. Et c'est vous avec des pouces bleus. Je laisserai un écart d'à peu près 2 jours environ. Ça se peut que des fois ce soit 1. Le temps que vous puissiez mettre des pouces bleus, pouces rouges, n'importe quoi pour que la série. Pour que vous puissiez interagir dans la série. Bien sûr! En fait, cette série, c'est vraiment une série que ça me tentait de faire parce que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire que les abonnés pourraient faire aussi? Ça pourrait être cool que les abonnés puissent participer. Parce que oui, vous allez pouvoir participer, je vous ai tout expliqué. Mais, est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? À part que si j'ai plus de vie, vous pouvez me sauver avec des pouces bleus. Je crois pas qu'il reste grand chose à expliquer. Je...
sais pas trop. Bien sûr, il y aura des objectifs. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il me reste. Mais bien sûr, il y aura des objectifs. Je vais m'en fixer un peu plus tard. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire que je suis à peu près sûr qu'il y aura. Bien sûr, il y aura ne pas mourir. Peut-être atteindre les 10 vies comme objectif. Mais je vous garantis pas. La série pourrait durer autant 450 épisodes, on va dire, que 10 ou même 2. Si vous détestez vraiment la série et que finalement je crève à cause que vous avez mis trop de pouces rouges. Alors la série, elle va sûrement durer aussi. Si je me débrouille bien, parce que normalement, sur Minecraft PE, je suis un peu une merde en vrai. Pour survivre, parce que j'ai. Pour ça, tu vois, le PVP sur Minecraft PE. Il y aura l'objectif aussi, bien sûr, de trouver une émeraude pour gagner une vie. Vite, vite, comme ça, je peux pas vous dire grand-chose. C'est vrai que j'ai vraiment aucune idée pour le moment, parce que je sais pas si j'ai oublié de vous dire quelque chose ou non. Donc, je crois que je vais mettre fin à cette vidéo. Sur ce. Alors n'hésitez pas, ben oh oui, très important. Les règles que j'ai dites plus tôt avec les pouces bleus et les pouces rouges ne s'appliqueront qu'à l'épisode 1. Bon, désolé. Donc si vous mettez des pouces bleus ou des pouces rouges sur cette vidéo, ça n'affectera pas tout de suite la série. Sur ce, moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir ma chaîne secondaire. Picocool 1, 2, 3, 4, qui est en compagnie de Pikachu Kazangui. N'hésitez pas à liker cette vidéo, même si la règle n'est pas activée encore. Et à commenter n'importe quoi, qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez commenter ce que vous voulez, comment vous trouvez ce concept. Que vous avez fait aujourd'hui, mais je m'en bats un peu les couilles. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, n'importe quel réseau social que vous avez. Parce que moi je vous dis ciao tout le monde.